Salut à tous, c'est Jeff, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode sur Bachelor Bros. Avec nos amis les caravaniers. Donc on était parti, on cherchait un peu à se faire un peu de commerce, et donc on cherchait un peu les villes qui produisent. Oh, attendez. M'en dites pas plus. On cherchait un peu les villes qui produisent pas mal de petites ressources, de petites choses comme ça. On va garder les haches, ça nous servira plus tard. Ça, par contre, on peut le réparer pour le vendre, ça aussi. Défilé renforcé, oui. Ah oui, c'est vrai que s'ils sont équipés, ils les craftent pas. Excellent. Sandorf. Donc là-bas, ok. Bon, pas de quoi sauter au plafond. Le Weapon Smith, c'est pas cher ça, non? 1700 balles. Quatre-vingt-neuf %. Ah, c'est vrai qu'avec les réducs, ouais, je me dis 4000 balles, j'ai envie de prendre un follower. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Quand on pourra, mais putain de merde avec les réducs. Je veux dire, des épées comme ça à 1300, c'est quand même. Enfin, ce couteau-là à 400, normalement, bon, il est à 600 quoi, 600, 700. Pareil, ce marteau-là. Je vais pas vous mentir, il y a quelques petites armes, elles me font de l'œil là. Hein. Elle m'aguiche. Hein. Bon, on va garder l'argent pour recruter des followers quand même. Alors, il y avait ça aussi, ouais, qu'il fallait. Finalement, il aurait fallu leur dire bonjour. Mais si... Ah oui, si on peut trouver les sites, commencer à farmer les cités du sud, ce serait pas mal aussi. Oh, si elle est juste en dessous, genre là, ça fait tac-tac. Ah! Vous êtes quoi, vous? Fumada Outlaw. On des undead. Ah oui, bah démerdez-vous. Hein. Alors là, y a rien de bon pour moi. Bon, elle est, oui, en fait, elle est très mal placée. Hein. Ah, ils avaient dit au sud, bon, pas là quand même. Alors, ici. Ça vaut 320. Je vends, bien évidemment. On va à bon prix ici. Ouais, quand même, 19%. Ouais, bah, suffit de regarder les boucliers comme d'hab. Les couteaux aussi, il y a forcément des mecs qui en ont pas. Voilà. Soigner un peu l'équipe. Weapon Smith. Ah, c'est déjà des prix plus cohérents. Même si, quand même, y a peut-être moyen de se faire des bonnes affaires. Alors, la reine, c'est quoi? 3 serpents. 3 serpents, ça se fait, non? Si on prend Michel, Jackie et Jackie, ça se fait largement. L'alchimiste, il nous vend quoi? Il nous vend pas le fusil. Un esclavagiste, bah super. Un garde de caravane, ça peut être pas mal ça. Plutôt crevé. Plutôt crevé aussi. Écoute, on pourrait vraiment. De toute façon, une fois qu'on sera riche, il n'y aura pas besoin de s'emmerder. Hein. C'est histoire en fait d'avoir la ligne complétée. On pourrait mettre ça en fait pour détruire les boucliers, ça pourrait être sympa.
Ceux qui n'ont pas beaucoup d'attaque là. On va faire le combat d'arène, j'accepte. Donc qui va, on a dit toi. Toi et toi. Bon, on va passer le tour. Hein. Alors, qui va se faire attirer? Ok, c'est lui. On va se mettre là pour éviter que lui remonte là. Et que mon mec se fasse vraiment trop encercler. Alors, c'est un peu relou, du coup, je peux faire là-haut, mais bon. Base, elle a combien? Elle a moins de chance de toucher aussi. 82, tu veux pas vivre, hein? Bah, esquive. Un petit pas de côté? Ah, pas de pas de côté. Oula. Ok, ça c'est pas mal. Wouh! On va attendre que l'autre vienne à ses côtés. Affaiblissez-le! Ah, bah c'est la fin. Hein. Oh, belle esquive! Oh, belle, belle, belle! Peut-être un peu greedy de le prendre un mec sans bouclier. Ouais, toi tu viendras s'il s'enfuit, je pense. Pour l'instant, on est assez tranquille donc. Oh, l'autre avec son pied de mire, putain, j'avais pas vu, j'ai oublié que c'était lui. Non, je m'en fous, tant pis, je perds lui, c'est chiant, mais. Ouh! Eh ben, on était pas large, hein! Normalement. C'est la retenue ou pas? Ouais. Il est où notre commerçant là? Jacky le commerçant. The Trader! Saul, encore 12 à vendre! Très bien. On va garder la place pour ça, évidemment. On a envie de combattre des brigands. L'équipe, elle est, à mon goût, elle est pas encore tout à fait prête. Moi, je pense qu'on va remonter, on va faire du commerce. Hein. On n'est pas encore assez stuff, à mon humble avis. Hein. Allez hop, on remonte. Ah, d'abord, on va aller vers là quand même. Attends, j'ai pas regardé s'ils avaient des blessures chiantes. Moins de fatigue max, c'est chiant, c'est pas dramatique. Ouais, bon, ça ira. Ils vont se soigner. Des ruines occupées. Tiens, tiens. Où est-ce qu'elles sont les villes du sud du coup? Est-ce qu'elles sont là? Ou est-ce qu'il y en a une là? Je pense pas qu'il y en a une là. C'est un peu relou du coup pour le commerce, c'est pas. A few raiders. On va s'il un peu quand même. On va s'il un peu, on va les combattre. Bon, ça devrait le faire. On a des armures à... On a des armures à loot. Ouh, les polearmes commencent. Hein. Les polearmes débarquent. Un peu ce qui me gêne en fait avec affronter des mecs du sud maintenant, c'est que j'ai pas de polearmes efficaces. Du coup, hop. Ils vont me taper avec des armes, moi je vais taper avec des fourches. Au bout d'un moment, ça se voit quoi.
Merde, j'avais un coup de fou avec lui, je sais pas pourquoi je me... Bon, ah si, quand même, il pourra contourner peut-être. C'est un mal pour un bien. Toi, tu peux aller là. Ah, il va pouvoir se foutre devant. Ah, c'est un mal pour un bien. Salut. Ah, j'aurais pu y mettre adrénaline, mais je sais pas si ça valait le coup en fond. Toi, on va éviter que tu te retrouves en face quand même. Bon, à mon avis, toi, ouais, t'as pas raté, hein. Est-ce qu'on essaye de loot son armure? Non, on va le faire. En fait, ce qu'on veut, limite, si on récupère ses armes, ça me va très bien. Pas forcément besoin de. Moins ils tapent avec, moins elles seront abîmées. J'ai de chance de les récupérer. J'avance qui tape, y'a mon douille dessus. Salut. Oh, il n'est pas mort! Moins 40% d'offre, moins 30% d'initiative. Ouais, bon. Il est pas mort, mais. Mais dans mon cœur, il est mort, quoi. Bon, il nous a sauvé l'armure, c'est déjà pas mal. Allez, hop. Merci de nous avoir. Allez, je paye les 10 même. Tu te rends compte? Je suis quelqu'un de. Oh, je suis si généreux. Ok, une bonne attaque en backline à 61, c'est pas mal. Qui veut ça peut-être à la place de ce chapeau de. On a l'air moins con. Ouais, toi tu pouvais potentiellement devenir quelque chose. Avec t'avais des bons poumons et tout. Y'a peut-être moyen de faire de toi quelque chose. Toi, il y a beaucoup moins de chance, mais. Sait-on jamais? Bon, bah il me faut acheter des bijoux là. Hein. Ici, tac, 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 tac. On redescend, on vend à Talstadt. Toujours une bonne affaire, Talstadt. Et on cycle, et on cycle, et on cycle, et on cycle. Hein. Je pense que même si j'achète pour 283, je les vendrai plus cher. Bon, de toute façon, c'est que de la merde. Alors. Ce que je voudrais là, c'est un tireur, mais. Je pense que je me mets dans l'os mon tireur. Toi, je peux dire rien. Quick. C'est sympa, mais. Je pense que je les ai achetés quand même, je de mémoire, je les vends beaucoup plus cher. Même si je les achète pas à un prix qui est clairement optimal. Faut recharger, on a jamais trop de filets. La déche c'était quoi? Valdain. Ah oui, c'était tout là-haut ça. En Valdain, il n'y avait pas de production de quelque chose, on est d'accord. Et d'un autre côté, c'est une mission qui nous fait remonter, ça améliore nos relations avec Nedish, donc meilleur prix d'achat. Je dis, pourquoi pas. J'accepte cette belle offre.
Bof. Bof. Ils peuvent pas démarrer très haut, donc même s'ils démarrent à deux. Ah, on ira à Altastadt à la fin de l'épisode pour se faire la petite surprise de combien à combien on va. Buy price 99%, ça commence à devenir sympa par ici. Hein. De l'argent, bien mérité. Hein. Ah si, ça produisait du bois ici. 194, je pense que... 341, mais je pense que je vais voir encore plus cher. Parce que là, je sais combien le sell price? 17% là-bas, c'est. Oh non, mais là-bas, c'est ma poule aux œufs d'or. Je suis sûr que si je prends le. C'est comme ça. Drive of Brigand at Fryman Strangler, 9 of Aldim. Ce qu'on pourrait faire. What I propose you. Déjà d'acheter du soin. C'est d'aller vous d'essayer de vous repérer ce stronghold un peu à la mano vite fait. S'il est pas trop, il est peut-être pas trop loin. Après on. Ils viennent de par là. Il est là du coup? Trace fantôme. Bon, on sait pas où il est. Les brigands! Pas envie d'aller avec le caravane, ils vont juste m'emmerder. Voilà. Un brigand thug, ah ouais. Allez, venez! Gaspard, tu m'emmerdes. Oh, une belle lance quand même, déjà. Et un. Waouh, ça peut être un combat assez sympa. Niveau loot. Qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a des armures un peu coolos. Bon, on a compris que vous n'allez pas avancer. Ça fait 1, 2, ils peuvent taper. Ça va les pousser à venir. Alors qu'est-ce qu'on a? Ouh. Ah ouais. On a du beau monde. Hein. On a du beau monde. Tant mieux. Ça rendra le combat un peu plus sympa. Bon, du coup, attaquer à la localisation, je suis pas trop sûr de le faire maintenant. Le problème, c'est que si c'est un fortin, on arrive d'en bas et on n'a pas de tireur pour trouver de loin. On n'est pas encore au petit, je trouve. Allez, venez! Vous êtes pas les gamins, vous êtes à deux distances. Il a peut-être pas relevé son mur en fait. Ok, bon.
Visiblement, vous avez décidé de me casser les couilles. Marche bien. Ah, petit tips, hein, si un mur de lance en face. Faites ça, ouais. Et ça vous permet de le passer à peu près tranquillement. Ouais, toi t'es dans la merde, hein, t'as raison de paniquer. Alors on joue en vétéran, donc lui a maîtrisé son arme, donc il peut avancer 2 et taper, c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention. C'est cadeau. Chez le ball on attend. Attends, chez le ball t'es mort. Pouf, les tactiques d'Idney plus grand. 2 est tapé, donc il peut virtuellement taper à peu près tout le monde. Est-ce que je commence ça? Non, je vais juste arcuter ce qu'il me rend. Pas besoin de m'emmerder plus, je pense. Toi, tu pourras aller là avec des fois qu'on puisse piéger lui. En vrai, hein. Joli move. Charcutez-les. Merde, j'ai pas laissé la place pour lui, que je suis con. Bon après c'est pas dramatique non plus. T'auras bien des cibles mais... Voilà. Tu t'enfuis pas avec ta pique, hein. Jamais, j'entends, jamais tu ne t'enfuiras. Oh, on l'a pas eu. Dommage. On a eu le fléau quand même, qui est quand même bon. Assez sympa, qui a des bonnes chances de mêler. Toi, t'es à 64. Moi, je t'ai pas mis une arme sympa, toi. Ah ouais, t'es celui qui s'enfuit tout le temps. Ouais, je sais pas, enfin... C'est vrai que bon... T'es un peu l'âge de la vente, quoi. Je pourrais te mettre ça, d'ailleurs. Je pourrais te mettre ça ou. Oh, je me suis pas en ligne, puis voilà. Tu vas porter des armures lourdes, du coup, non, je vais te. Après ça, on répare. Lance de niveau 2, on peut la réparer. Hein. Si on se retrouve à affronter des araignées, au moins on a du stuff. Allez hop, on redescend à Talbash maintenant. C'est dommage la peau là. Je crois que j'ai des bugs parce que les pieds fantômes qui apparaissent. Je pense qu'il y a un mode qui fait peut-être n'importe quoi. Heartfall, très bien.
Neudish. Eh ben. Oh, un hunter. Ok, il est nul. Hop, hop. Nul. Bien, c'est, au moins on fait vite le tour. Et nul. Ils ont pas de points en arc, hein, je veux dire, on voit quel intérêt de. Alors les historiens, je crois qu'ils peuvent faire sortir hein, des effets sympas. Toi peut-être. Oh, 260. Oh, vous me coûtez cher avec vos conneries là. D'autre côté, est-ce qu'il est bon? Dis-moi. Nul. Vous êtes pas mauvais, vous êtes très mauvais, voilà. Enfin non, c'est plutôt c'est pas mauvais, c'est très mauvais, mais. On adapte la ref. La taverne, bon, pas de nouvelles formidables. Eh bien. Couvrons cette caravane. Il nous faudrait un tireur quand même. Parce qu'on va se retrouver à affronter des petits gobelins en bûcheur là. Avec leurs petits arcs, on sera content d'avoir un petit tireur. En fin de partie, c'est pas forcément incroyable d'avoir des tireurs, mais en début de partie, ça aide beaucoup quand même. Oui, on va chercher ta statuette de ces morts. 271. Putain, des outils ici, mais c'est. C'est du délire, c'est du délire. L'armurier me vend quoi? Celle-là. 139, maximum fatigue, moins 8. Ah ouais, c'est l'armure du sexe, tu veux. Limbo. J'ai l'armure à 150 aussi. Putain, mais elles sont tellement pas chères. Ça semblait con, hein, mais. On peut acheter des pins aussi. En fait, je me dis pour notre mec qui a l'armure, enfin qui a l'épée à deux mains, ça pourrait être le savoir le coup d'avoir une armure un peu vénère, quoi. D'ailleurs, celui qui a l'épée à deux mains. Ouais, non, c'est pas mon brother la game. C'est qui le brother la game? C'est lui. Est-ce que c'est à toi que je mets l'épée à deux mains? Je me dis. Comme ça, je t'identifie bien en tant que brother la game, je pense que c'est le mieux. Oh, mais ils sont partis où, c'est con? Partir au bout de la map. Alors vous allez sortir des bois par contre. Pchit, 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 allez! Sortez des bois. J'ai dit sortez du bois, putain. Là, descendez. Bon, allez dans la montagne. Je crois qu'ils sont codés pour pas sortir du bois. Je connais pour être casse-couille. Aux armes! Alors, on a quoi? On a ça qu'on peut aller récupérer qui serait pas mal. Formidable. C'est. Formidable. Si je te mets là, il est en dessous, mais enfin bon. Bah, je suis touché, on était bon. T'es gagné. Lui, il va avancer de combien? 2 avant de taper. On va attendre un petit peu. On va voir un peu quels sont ses choix de vie. Toi, t'as une bonne armure. En vrai, je vais être charcuté, je pense. Ok, bon, vous avez essayé de taper un sprint vers lui, même si j'y crois moyen. Merde, je t'ai pas laissé une place. Qui est con? Qu'est-ce qui code ce gars ça? Voilà. J'aime bien ce projet. Dommage. C'était l'idée derrière le projet. Hein. Il
un peu loin quand même. Il avance de 2, il tape ici, ouais. On peut essayer d'aller le chercher, mais enfin. C'est la mission commando, quoi. Bravo à tous. Ça, c'était ce que je craignais, évidemment. D'accord. C'est ça qu'il fallait faire, évidemment. J'ai peur que lui descende et me détruise si j'avance là. Alors le problème c'est que du coup je me suis un peu exposé. Mais... Putain. Waouh. C'est allé vite. On s'est un peu isolé, on l'a payé très très vite. Hein. T'as rien fait. Ouais, peut-être que je te fous dans un filet avant que lui se fasse encercler et dégommer. On n'a pas rotation. And I think it is a problem. Au moins lui c'est pas trop. Lui il va peut-être avoir le temps de se moquer. C'est dû là. Esquive. Rien du tout toi. Tant pis, on prend le risque. Hein. Idéalement, faudrait le sauver quand même. Tant pis, je prends le risque. C'est pas grave si on a une ou deux pertes en plus. Ce que je veux, c'est que lui survive. Mon raisonnement en le mettant là, bah, il va se reprendre même le coup qu'a pris l'autre. 12 de dégâts au chien, ça le détruira pas du coup. Il agit dans 5 tours. Est-ce qu'il aura l'énergie? Je pense pas, non? Je vais le taper en fait pour qu'il ait pas l'énergie. Faire chez le wall. Hé! Hey, il a pas d'énergie, mais. Il y a des plans de secours, je crois. Bon, quand même. Quand même, quand même, quand même. On sait me respecter. Bon, je pense que le lancer de filet était quand même une... Oh oui, mais je me suis rendu compte là. Je suis un malade. Bon. C'est maintenant qu'on les brise tous, je pense. On push vite. Tuez-les. Ouais. Je suis un grand malade. Moi, j'ai pris des risques inconsidérés. Hein. On a récupéré une armure qui valait à peu près celle de Conrad. C'est pas trop mal. Après Conrad, je crois qu'il avait des bonnes stats quand même. Il avait quand même pas mal pex, c'est un peu dommage. Attends.
terme, tu auras, hop, tu auras une petite lance en backup. Mais ouais, Conrad, il avait Pex, c'est très, ouais, c'est assez mal joué. Ah, bon, on va aller voir combien on vend. Combien ça va s'élever notre belle fortune. Oh! Plus 3 en attaque de mêlée, c'est pas rien! Et Vinrich l'exorciseur? Non, ça je l'en veux pas. Par contre, toi je le veux bien, t'as. Non! J'ai mis. Bon. Ce sont des choses qui arrivent, hein. L'armoire, par contre, j'ai bien envie de te prendre une petite armure à 150. Aïe aïe aïe, elle me coûte juste un poil trop cher. Mais j'ai une idée où je pourrais trouver de l'argent, regardez. Oh, 21%, c'est là où je vends le mieux. Oh, oh. On va se faire des couilles en or. Alors, ce qu'on va faire par contre, c'est que, hop, on va échanger la clé mort. Non. Ah oui. Toi, tu prends ça, un petit bouclier. Ah. Mon brother de late game, c'est celui qui a la clé mort. D'ailleurs, qui a des couteaux? Formidable. Hop. On est tous au petit coup d'âle. Oui, je sais. Moi, je vais recruter Michel qui me permet de vendre plus d'objets. Pour montrer un peu la puissance du commerce. Donc là on a combien? On a 810. Voyons combien on vend. On va regarder ce papier. 209. Là on l'a acheté 283, on le vend 426. On fait 100 de bénéf. Là on fait 200 de bénéf. Sur le sol, on fait 200 de BF. Hop, on est déjà remonté à 3000. Not bad, hein. Les planches aussi, on fait du BNF. Le sel là, on fait du BNF. Ben voilà, on a l'air moins con. On a l'air moins con. On peut se virer quelques petites lances de 100 mousse là. Les haches, on va les garder, on en aura besoin. Les épées, bon. Ça, on en aura jamais besoin, par contre. Les boucliers, on va pas démarrer une collection non plus. Et ben pas mal ça, dites-moi. Est-ce qu'on a du Dietrich TT nul? Butcher. T'es nul. Un, t'es nul. Oh, déterminé, irrationnel. Bon, ça c'est chiant. Mais il a quand même 2. S'il démarre pas trop bas, 52. Ouais. Et par contre, faut 27 de morale. Ah ouais. On n'est pas courageux ici. Ici, mon monsieur. Bon, on pourra peut-être en faire quelque chose. Moi, ça nous permet d'avoir des armes de G, ce qui est pas trop mal. Alors, ma question maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir. Non, il doit pas manquer beaucoup, mais.
Encore 3. Eh bien là, on va nœud dèche. On fait nœud dèche, König, hop, on TP, on vend. Et dans les deux prochaines vidéos, je vous montre la puissance du commerce. Et à quel point on peut snowball rapidement avec. Il y a eu le baston ici. Ça c'est quoi? Tarva. Ah, yeah. Attends, c'est l'ouest, c'est marqué. Donc, il existe des villes à l'ouest. Marman, c'est où ça? Aucune idée. Si, c'est là. Ça, c'est quoi? Erdfall. Tiens, cet endroit me dit vaguement quelque chose. Allez hop. Chérault, on avait dit non. Un moine, bon. Dormez les, peut-être que tu feras vaguement quelque chose. Attendez, toi, hop, on reprend un filet. Après, on peut TP à Sandorf. Y'a quoi? Ce qu'on va faire, c'est on vend nos ressources à Tarsalt. On va récupérer notre commerçant et on s'arrêtera là pour cet épisode. Encore une fois, vous vous rendez compte à quel point c'est. Enfin là, bon, c'est juste faire des boucles en fait. Hein. Mais bon, on a la chance que cette ville-là, elle soit mal famée. Tant qu'on fait pas l'émission, elle va garder ces petits trucs-là. Donc du coup, bah, regardez. Hop. Ah, ou tout, se faire de l'argent, facilement. Sachant que là, je fais pas les contrats, tout ça en cours de route. Qui m'en apporterait probablement beaucoup. Je peux quand même regarder de quoi on parle. Ça, j'y touche pas. Dole de fertilité. Ça devrait pas enlever les routes embuscadées, normalement. Alors, on a dit qu'on voulait récupérer. Continue. Continue, il est où? Il est où le trader? On va manquer un peu de thunes, mais. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne GLGF pour d'autres épisodes de Battle Brothers. Allez, ciao, ciao!